de la date carme d'avoir monté cette réunion vraiment de très haut niveau. Les interlocuteurs du plus haut niveau, ce sont les grands acteurs de la question de la chrétienté des chrétiens d'Orient, de la chrétienté des chrétiens, enfin, des chrétiens d'Orient en France. Donc je tiens à le saluer et à les remercier pour leurs engagements. On peut les applaudir. Remercier Alexandra Spinner qui nous a aussi aidé à cette conférence. Et puis j'ai une question pour vous. Votre place est à la tête de groupe d'études sur les chrétiens d'Orient qui a été créé à l'Assemblée nationale. C'est ça votre force et c'est avec ce groupe-là que vous allez bousculer notre diplomatie. Bravo. Je remercie Patrick Caram, mais je rappelle que pour ça, il y a un préalable. Il faut être élu à l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire dimanche, mais je vous rappelle que dimanche, il y a une élection et que déjà, il faut aller voter et faire voter. Parce que le préalable au destin que me promet Patrick Caram, c'est quand même l'élection. Merci. Merci en tout cas à tous d'être venus aussi nombreux. Est-ce qu'il y a des questions ? Profitez, vous avez des intervenants de haut niveau. Si ça marche. Bien. Bien, Thémis. Vas-y. Je n'ai pas de questions, mais par contre, j'ai une demande à faire. Vas-y. Voilà. Avec la Libanese Society of Europe, qui est une association du 16e arrondissement, nous organisons actuellement un concert le 25 juin au profit des élèves de l'école secondaire des Vies de la Charité à Achrafieh-Beyrouth, surtout pour des élèves en terminale et en bac qui n'ont plus les moyens de payer la scolarité. L'école, si elle n'a pas la scolarité, ne peut pas payer les professeurs. Et donc, je pense que nous pourrons, son entrée est à 15 euros, mais le temple contient 250 personnes. Nous pourrons, si on remplit le temple, nous pourrons accorder au moins 5 à 8 bourses scolaires pour ces élèves. Donc, voilà. Merci. Thémis, je parlais d'un événement qui est le 16e. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur les thématiques qui ont été évoquées? Donc, tout a été très clair. Une question qui est une question très... Oui. Eh bien, d'abord, merci pour la conférence. J'espère que ma question sera rapide et la réponse, bon courage. Parce qu'il y a une thématique dans l'ensemble des questions relatives aux chrétiens d'Orient qui n'est jamais abordée, vu qu'on parle par exemple de la situation pour les chrétiens en Turquie, mais Chypre est dans l'espace européen, il y a la partition du territoire, avec toute une évacuation des populations chrétiennes du nord de Chypre qui sont concentrées dans le sud, des ghettos chrétiens qui se sont constitués en Chypre du Nord, dans un État qui est reconnu par personne, et qui pourtant, fait partie de l'Union Européenne. Et est-ce qu'il y a des actions qui pourraient se faire? Parce que quand même, la Chypre, clairement, c'est l'Europe. Et pourtant, c'est aussi un terme avec les chrétiens d'Orient, quelque part, l'histoire est à plus. Je vous remercie. L'histoire est compliquée parce que Chypre, la République chypriote turque, qui n'est reconnue par aucun pays, en réalité, ou peut-être un ou deux, évidemment, est hors la loi. Maintenant, il appartient aux autorités chypriotes côté grec de faire en sorte qu'elles alertent l'Union européenne, le Parlement européen, pour dénoncer et faire des procédures. Mais là, je vous avoue que, faute de documentation précise et d'éléments, personnellement, je me sens démuni. Je pense que c'est aux autorités chypriotes grecques d'être auprès de l'Union européenne les avocats de ce qui se passe et dénoncer. Maintenant, on sait très bien que la République du Nord de Chypre, c'est la Turquie. Et nous savons qu'actuellement, la Turquie est gouvernée par quelqu'un d'inquiétant.
parce que ce qui se passe en Turquie, c'est à la fois quelqu'un qui joue sur tous les tableaux. C'est quelqu'un qui a un pied dans l'OTAN et un pied contre nous. Il faudra bien un jour que la question turque soit abordée par la politique étrangère d'une manière très claire. Quand dans Méditerranée, la marine turque commence à attaquer la marine grecque, je rappelle que la Grèce est membre de l'Union européenne et que nous aurons un devoir de solidarité. Donc c'est en réalité la question que vous posez, indépendamment de Chypre, c'est la question turque. Et là-dessus, la réelle politique n'a pas toujours été très claire. Je pense que nous avons une complaisance envers la Turquie. Je rappelle que c'est un pays qui, à un moment donné, était aux portes de l'adhésion à l'Union européenne. Je pense qu'ils auront du mal maintenant, qu'il y a une volonté et une compréhension. Tout ce que l'on peut souhaiter, évidemment, c'est que les Turcs, ce serait d'ailleurs, à mon avis, leur intérêt, se débarrassent un jour de l'Erdogan. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ben, merci en tout cas à tous pour votre présence. Merci aux intervenants de qualité, merci aux participants et merci à mes collègues élus qui m'ont aidé à organiser cette réunion. Antoine Bocquier, Véronique Bucaille, Marie-Hélène Dorval, Bruno Lionel-Marie, Jérémy Redler. Merci à tous et bonne soirée. Merci à toi.